Robs, c'est le pain. Robza, qui est le féminin Robs, et les féminins Robza. Et on dit toujours, ne touche pas à mon pain. Ne touche pas à Robsti, ne touche pas à mon pain, ça veut dire aussi c'était la source de survie. C'est-à-dire c'est le pain. C'est il est plus proche, plus compagnon du pauvre que du riche. Et vu qu'il y a énormément de pauvres, la moindre variation quand tu changes de prix du pain, eh ben, c'est la révolte. Et alors, un jour, le Premier ministre fait une déclaration et il dit, voilà, on a augmenté les prix des céréales et surtout celui du pain. Se soulève, genre confondu, et sort dans les rues. Et là, quand les gens sortent dans les rues, c'est la colère. Il n'y a plus rien. C'est pas, on manifeste pas gentiment. Les commissariats sont dépassés, la police en général s'enfuit. Et une fois la police s'enfuit et se cache, les gens sont libres. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Justement, pour ces émeutes-là de 1984,
le jour même où le chef du gouvernement décide d'augmenter le prix, il n'y a plus de commissariat et de police, pratiquement. Et les gens portent des feux allumés partout. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il fait appel à l'armée, l'armée descend dans les rues, couvre-feu. Face à cette importance du pain. Et pourquoi je dis ça, au fait? Parce que on voit maintenant, et ce n'est pas pour comparer, loin de là, mais c'est pour donner une autre réalité. Le pain ici, on est arrivé à des variétés de pain énormes, à des prix énormes, à des choix énormes, céréales, levain. Le vin, ça rappelle le vin à boire. Hein?